Je vous retrouve aujourd'hui devant ma bibliothèque puisque je vais vous présenter les étagères que vous pouvez retrouver sur ma bibliothèque. Donc pour commencer, vous avez ces gros classeurs juste ici. Chaque classeur en fait contient des informations de mes différents romans. De ce côté, vous allez retrouver ici un album qui est vide et que j'aimerais bien transformer en herbier. Ici, c'est un album photo qui contient notamment des photos de quand j'étais au lycée. Là, vous allez retrouver un album où vous allez avoir mes cartes postales, puisque je fais la collection de cartes postales. Dans ce grand classeur-ci, où il n'y a rien d'écrit, vous allez retrouver des informations sur mes cours de l'école Trisclen. Et vous allez aussi avoir mes fiches de lecture. Donc quand je lis des livres, que ce soit de la fiction ou de l'ésotérisme, j'ai des fiches de lecture que je glisse ici. Et après, ici, vous allez essentiellement avoir des pochettes comme ceci. Vous allez avoir des informations sur mes différents livres. Du coup, vous l'aurez compris, cette première étagère, donc la plus haute, est celle qui est essentiellement consacrée en fait au travail d'écriture. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, on se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième étagère, et ça va être celle-ci.